Et on est reparti pour la quatrième vidéo sur Super Mario Bros. Où on est donc pour les trois derniers mondes du jeu en hard mode. Je ferai pas les Minus World aujourd'hui. Ah! Alors ça je me fais troll à chaque fois que je fais ce niveau dans mon coin. Je me laisse tomber là en me disant que j'arriverai sur la plateforme et tu tombes dans le bloc de trous. Donc là, c'était le dernier niveau facile du jeu, hein, c'est ça qu'il faut se dire. Le prochain niveau relativement simple, c'est le 8-4. Encore le 8-4, tu peux te rater. Du coup, hein, voilà. C'était le. Non, par contre. Tu vas arrêter de faire n'importe quoi, Flaria, s'il te plaît. Donc, c'était le dernier niveau simple du jeu. À partir de maintenant, on se fait torturer pendant 10 niveaux. Allez, il nous reste que 10 niveaux, les amis. 11, pardon. Au revoir. Il ne nous reste que 11 niveaux. Enfin, en fait. Ce que j'essayais de dire, ça passe pas du tout. Ce que j'essayais de dire pendant l'épisode 3, c'était que même si le hard mode rend le jeu plus dur, effectivement, beaucoup plus dur, enfin la quête B, le hard mode, ça devient pas un VIP Mario pour autant, hein, parce qu'un VIP Mario. Pour ceux qui ne verraient pas ce que c'est un VIP Mario c'est un jeu Mario uniquement constitué de niveaux troll comme on peut trouver sur Mario Maker. À peu de choses près. C'est des niveaux qui sont en apparence très normaux mais tu te fais troller à chaque saut que tu fais, à chaque bloc que tu frappes, il peut y avoir un piège. C'est 4 Mario est un VIP Mario en fait. Ce qui sort, il n'y en a pas d'officiel, c'est que des Acrom. Lost Levels est bien attaqué en termes de VIP Mario. Sauf que c'est pas un VIP Mario. Lost Levels, quand même pas. Lost Levels est très difficile, mais il est difficile, il est pas complexe. Parce qu'un VIP Mario, c'est l'enfer. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais. Allez, on refait la même technique qu'avant. Ouh! Première try de la technique réussie. Alors qu'avant, on a un peu galéré. Il y en a qui vont dire que c'est moins bien avec le mode replay. Je vous répondrai que je suis pas hyper expérimenté, donc je m'aide un peu. C'est pas du cheat, je considère pas ça comme du cheat parce que c'est pas comme si je faisais des save states. Parce que des save states, je pourrais en faire et ça serait bien plus abusé que le mode replay. Hein. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le jeu il est pas content comme ça? Donc oui, certains diront que c'est moins drôle avec le mode replay, mais je suis pas une speedrunneuse extrême, je suis pas une joueuse pro de ce jeu. Donc je m'aide un peu, mais je suis pas là pour faire. Enfin, ce let's play il est là parce que j'avais envie, parce que j'ai passé
Parce que j'ai passé ces 2 derniers jours à regarder des speedruns, de Super Mario All-Stars, et du coup j'avais vachement envie de faire ce jeu maintenant. Il est là parce que je savais que je pouvais le faire tenir en un stream de taille moyenne, genre on a 1h30 de stream et je sais qu'on a fini dans, je dirais, un petit quart d'heure max. Donc je me suis dit why not? Je l'ai préparé à l'arrache et je suis là pour que ce soit plus détente qu'autre chose. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait en live. Même si actuellement il n'y a personne, mais. C'était pour interagir avec vous, pour donner un peu plus de. Enfin, parce que pour moi, ce jeu, c'est un jeu de détente. Enfin, c'est un jeu sur lequel tu te détends. Enfin, où tu passes un moment de détente, en tout cas. C'est pas un jeu sur lequel tu tryhardes vraiment. Je sais pas si vous partagez mon avis ou pas, mais en gros, c'est pas un jeu qui est, enfin, j'irais pas fait pour, je me, pas, j'ai pas du tout envie de faire une session de tryhard sur ce jeu, quoi. Je me souviens jamais de l'ordre. Ah, mais c'est en bas au début. Je suis sûr qu'il a compté que j'étais allé en bas. Yeah. Je sais pas si ça va passer là. Eh bah si. Oh là, le jeu, qu'est-ce qui t'arrive? What? Pourquoi le jeu il. C'est quand il envoie sa pluie de marteau là. Le jeu il aime pas la pluie de marteau. Pourquoi le jeu lag autant? J'ai jamais vu ce jeu laguer à ce point. Alors même si j'ai beaucoup utilisé le mode replay, pour l'instant j'ai l'impression d'avoir mieux joué que dans la première session, ce qui est pas normal. Le 8-1 est pas très difficile. Il suffit de bien le connaître et de réussir à placer ses boules de feu assez rapidement. Si t'as une fleur, sinon il suffit de faire des bons sauts. Ah! Alors, vous pourrez faire une compilation de cris, c'est bien parce que je vous donne de quoi faire. Hein. Là, tous les gens qui veulent s'amuser au montage, à faire des best-of. Ce let's play, même en 4 épisodes, mais il est fait pour vous. Franchement, vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. Alors, j'ai appuyé sur A, mais je sais pourquoi j'ai pas sauté, c'est parce que j'étais au-dessus du vide. Oh, joli! Heureusement que j'ai pu mettre pause. Bon, j'aurais fait start si j'étais sur NES, mais. Enfin, techniquement, je suis sur NES. Oh, je pensais que j'allais tomber direct. Elle est Bill Ball de l'infini. Hein. Bonjour. Au revoir. Les paratroopas sur les escaliers, c'est vraiment les pires. Je commence à avoir les mains moites.
Hop! Ah non! Salut! Allez! Ah non! Je suis sûr qu'il y a moyen de passer comme ça. Oh! En ninja! Génocide route! Sans, où es-tu? Pardon, je commence à péter un plomb. Ah, le score! Le score fait plaisir. Bon, bah maintenant le 8-4. J'espère que je réussirai à faire le 8-4 sur le mode replay. Normalement, oui. Hein. Je sais le faire. On va finir avec 99 pièces. Ous ! Bon alors, je considère ne pas avoir utilisé le mode replay parce que j'ai juste fait rater un saut. Ça va. Bon, alors je vais prendre un screenshot pour le score. On va save. Eh bien les amis, on va s'arrêter là. On a terminé ce let's play sur Super Mario Bros. Il y aura probablement un dernier épisode pour les Minus World. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les Minus World, c'est 4 mondes bonus qui s'appellent A, B, C, D, auxquels on accède depuis un glitch. Je crois pas qu'il y ait A, B, C, D en fait. Je crois qu'il y a juste le Minus World qui s'appelle D, avec D1, D2, D3, D4 pour les 4 niveaux. Je sais plus, je m'en renseignerai. Mais du coup, il y aura probablement ce 5e épisode pour le ou les Minus World. Je vais me renseigner sur le sujet. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ce let's play. J'espère qu'il vous aura plu. Pour ceux qui veulent, oui, je referai les jeux sur, enfin, le jeu sur NES. Peut-être pas en let's play, mais au moins en live. Quand j'aurai réinstallé mon setup, quand j'aurai le jeu sur NES, parce que j'ai déjà expliqué pourquoi je l'avais plus. Et voilà. Donc, je referai le jeu peut-être pas en let's play, mais au moins en live, sans le mode replay, du coup, hein, juste vraiment sur NES en mode pur. Donc, du coup. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode de Super Mario Bros. Je vous remercie d'avoir regardé ce mini let's play finalement. Bon, c'est un vrai let's play, mais il est court, c'est ça que je veux dire quoi. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Les autres let's play, enfin la suite des autres let's play arrive bientôt, je ne les ai pas oubliés. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye. Et pour le stream, on va s'arrêter là aussi, du coup, hein, voilà.